Eh bien, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que j'ai envie de te dire? J'ai envie de te dire qu'on est encore une nouvelle fois au bois d'Amé, près de Huy. Hein, c'est le bois qui est derrière Colruyt. Tout à fait. Parce qu'on me le demande tout le temps. C'est un bois public, hein, où tout le monde peut venir. Tant que vous respectez la nature et les chasseurs, tout ira bien. Et je suis avec Kevin, et là, on n'est que tous les deux, donc j'ai le droit à un petit cours particulier. Ça va, Kevin? Ça va très bien. Très nickel. Bien. C'est lundi, donc voilà, on profite des derniers rayons de soleil en Belgique pour sortir un peu la machine, enfin les machines. On va commencer par s'échauffer, donc on va descendre toute la DH et on va la remonter, on remontera chaud bouillant. C'est parti. Oh putain, le kick il fait fort hein, quand même. Voilà, alors on enroule tout. Tac, on s'échauffe. Putain, j'ai même pas le temps de comprendre ce qui arrive. Hein. Ok. Je vais relâcher. Je suis pas à l'aise hein, quand même. Hein. Regarde, mais. C'est la première fois qu'on a fait d'une traite. Eh ben, c'est drôle, mais j'ai les cuisses galèrent. Et je suis super essoufflé alors que j'ai pas mis un coup de pédale. Je tiens trop ma respiration. Hein. Je suis crispé quoi. Faut que je fluidifie tout ça. Première tentative, on va la enrouler. Hein. Oula. On peut considérer que c'était de la merde. On est d'accord avec ça? Allez, on travaille dessus et on revient après. Bon les gars, après une demi-heure d'entraînement et un nombre innombrable de tentatives. Bon, c'est un petit peu mieux, c'est pas foufou, mais c'est déjà mieux, je vais te montrer ça. Là, tu sautes pas crispé, rien du tout, quoi. J'ai l'impression que j'absorbe un peu le son quand même, tu vois. Bon, voilà, mais c'est pas fini, hein, c'est pas fini. C'est pas mal quand même, non? Je fais juste pour voir la vitesse à laquelle t'arrives. On l'a pas fait passer. Là voilà. Ouais quand même. De fluidifier d'abord un peu ta récepte. Ouais. Avant de pomper pour monter haut et pas savoir. Ah me rassurer déjà sur une récepte droite, ouais. Ok. Ouais. Limite essaye même un petit peu de te mettre sur l'arrière ou tu vois, essaye des trucs quoi pour débloquer ce truc en l'air d'être crispé. Ouais, ok. Ça doit être mon 20e passage au moins. En faisant ça, c'est bien aussi. Un petit style? Ouais, et ça te... Ouais, j'ai pas fait exprès. C'est vrai? Ouais, il a été remis... Ouais, je sais pas, j'ai fait ça, j'ai pas trop quoi... Et il va sauter, il va lâcher les deux pieds Superman, mais j'ai pas fait. J'ai pas fait exprès. Excellent. Pourtant, c'était bien. Bah, ça se fait pas comme ça, c'est pas juste arrivé, hop. T'as juste avec un peu de courage, le vélo il s'envole, et puis merci quoi. Surtout pas. Il y a un gros travail derrière à chaque fois. Donc bravo à tous ceux qui savent le faire, surtout les petits jeunes quoi, qui chambrent assez facilement sur mon espace de commentaires, bande de petits bâtards. Mais vous pouvez, je m'en fous. J'apprends à mon aise, c'est tout. Allez, en plus, hein, parce que t'es avec moi, là, tu vois, comme je suis là, à 17h, je dois chercher ma fille, ok? Donc si je me casse la gueule maintenant, il est dans la merde, donc faut faire gaffe. Les responsabilités. Lui, s'en fout, je joue à Call of après. Blackout. Blackout. Mon gars, là, je vais envoyer du pâté. Tu vas voir, j'en ai marre, là, de faire des sauts de merde. Il faut que la roue avant tape devant, là. Ouais. Ouais.
Merci. Mais c'est pas suffisant. Encore. Que j'ai débloqué un petit truc là dans mon esprit. Vivez, vivez, oh, presque. Ah, oh, j'ai vu l'avant presque dans la descente. La roue arrière était là. Donc là, je suis au milieu du saut là. Je te jure que ta roue arrière était là. Là, le bois, il était là. Hein. Je... Avec un petit coup de... Le niaque. Ok. Pas passif. Putain, je vais aller faire caca. Allez, on envoie. Envoie du loup. Hé, sac dedans. Hop, 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 hop. Le prochain, mon gars, il passe. Oh, la roue avant, toujours. Le prochain, la roue avant, elle est dans la descente. J'en ai rien à foutre. J'en ai marre, là. Allez, Jeff, pousse, pousse, pousse. Ah, t'as fait peur, hein? Bien joué. Vraiment. On considère que c'est réussi ou pas? Ouais. Non, on peut pas, officiellement, on peut pas dire que je passe la table. Non. Avant, l'arrière. Quoi? Ok, dernière tentative pour de vrai. Je suis épuisé en plus. Ouais. Allez, on donne tout là. On donne tout. Les pieds bien placés. Belle, belle. Chaque fois que je te vois arriver maintenant avec cette vitesse, c'est beau. Allez, c'est bon, ça suffit pour aujourd'hui. Allez, bien joué. C'est bon. Ah, je ne ferai rien mieux aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal. Je suis déjà franchement content parce que tu te rends compte que tout ça là, mon vélo saute et mes roues avant retournent dans la descente maintenant. Ouais, pas de problème. Mais je suis content. T'es content ou pas? Enfin, sur la vidéo ça donne rien, mais viens mon gars, regarde. Ah, quand t'es arrivé avec ton vélo là, ce que ça donne. Ah, tu fais comme ça mon gars. Là ça monte. Je sais pas si tu te rends mieux compte. Kevin, tu fais une dernière là, ton double stoppy manual, je sais pas quoi. C'est quoi le concept? Le concept. Wow, joli. Bah, je te le dis, je viens de faire des Spielberg. Ouh. Là, j'ai eu peur. Hein. T'es au milieu, t'étais sur l'autre. Ouais, je sais, j'ai pas eu le temps de partir à... Ouais, j'ai eu pour de vrai, j'ai eu un peu peur. J'étais pas bien là. Ok, maintenant ce que j'aimerais faire, c'est d'avoir un peu plus d'engagement sur cette marche-là, mais qui descend jusqu'à Aurélie. Ça va Aurélie? Ça va. Elle est quand même très loin. Ça veut dire que ça descend très fort. L'idée, c'est d'essayer de ne pas enrouler cette marche-là et de la passer en sautant, quoi, pour aller attaquer la descente. Voilà, voilà. Elle est impressionnante comme ça, non. Regarde ici. Non, c'est mort. Non mais c'est mort. Tu roules. La descente derrière est trop massive. Et tu le ferais alors d'abord en roulant? Non mais non. Et c'est des petits guillis dans le ventre qui sont en train de me dire, mais non Jeff, tu ne le feras jamais. La technique peut-être que je l'ai, mais c'est clair et net que j'ai pas les couilles de le faire. Mais même la descente toute seule, je vais être à fond sur les freins, je peux pas arriver avec cette vitesse. Fais à fond sur les freins. Non c'est mort. Ah, okay. Comme toi tu dois...
c'est pas possible. Vas-y, fonce. Mais non, je vais prendre à gauche, c'est impossible. Là, je le fais, je m'arrête dedans pour toi, pour te débloquer. Il y a des fois, mon cerveau hésite un peu. Toi, je sens qu'il y a un espoir, tu vois. Il y a peut-être. Je sens que c'est avec un petit peu de courage ou un petit peu d'alcool, ça pourrait passer. Mais là, non. Là, mon cerveau, il vient de se fermer comme ça. Le cerveau, là, fait porte close, trois verrous, avec marqué sur la porte, tu fermes ta gueule. Non, mais c'est certain, mais j'en suis sûr. Là, j'y vais pas, c'est clair et net. Une fois. Oh. Putain, j'étais censé chercher la caméra. Il faut monter maintenant. Oh merde. Kev, ouais. Tu veux pas me prendre la caméra? J'ai oublié. On dit pas bonjour aux copains? Bonjour. Ça va ou quoi? Ça va. Ça roule. Bon, ici c'est le cross noir hein, de Hamé. Une bosse que j'ai beaucoup travaillé. Après tous les efforts de la table, celle-ci devrait passer assez crème, hein, mais je vais confirmer ça tout de suite. Oh ! Putain ! Oh la frayeur ! Oh, je me suis crispé là ! Plus de vitesse. Hop là, c'est pas mal. Hey Rémi, ta caisse. Un peu de traviole. Oh. Un peu de traviole. Oh, ça va, hein. Ouais, ça va. Ça fait partie du whip. Moi, je suis content, celle-ci passe sans problème maintenant. Nickel, la roue arrière va dans la descente. Donc voilà, ça progresse, c'est cool, je suis content. Heureusement que le travail paye, hein, parce que putain, je suis soufflé, ce serait démoralisant. Bon, bah, c'est ici que s'achève cette petite vidéo, donc c'était encore de l'entraînement. On a encore pas mal progressé, c'est cool. La semaine dernière, nous étions à Hamé et on voit qu'il y a eu un gros taf de fait au niveau de la chape. Donc, merci les chapeurs, hein, parce qu'ils travaillent pour nous les mecs, grosso modo. Ils travaillent pour notre plaisir. Là, un chapeur, c'est quoi? Un chapeur, c'est un mec qui nettoie les bosses, qui les refait, qui refait les kicks. Enfin, qui prennent une pelle, un râteau et qui taffent comme ça pour que tout le monde puisse s'amuser. Donc merci, je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo. Si vous connaissez les chapeurs, vous leur dites merci de ma part. Ça fait plaisir. Là, le cross noir, là, il est tout propre, quoi, nickel. Bravo les mecs, merci beaucoup, la DH nickel, les sauts, les relevés, là, le taf, les bosses, ça ce sont la première table qu'on a travaillé ce matin, juste parfait quoi. Merci, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Tu t'oublies pas de t'abonner à mon Instagram, hein. Je mets plein de photos en temps réel sur l'Instagram. Les vidéos, je commence à avoir un peu de retard parce que je tourne beaucoup et du coup je respecte plus trop le timeline. Et puis tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, hein. Ça fait longtemps que tu regardes, maintenant tu peux t'abonner. Allez, bisous. Tu sais ce que je te demandais? Le jingle. Oui. Le jingle.